Voici un œuf de Pâques construit sur du papier pointé. L'unité est le centimètre. Par exemple, le segment OA, OA, ou OB, ou OC, ou OD. Chacun mesure 4 cm. Proposons un programme de construction pour cette figure. Comment s'y prendre? Je trace le cercle de centre O et de rayon 4 cm. Puis, je trace deux diamètres perpendiculaires, AC et BD. Je trace la demi-droite CD et la demi-droite AD. Je trace un arc de cercle de centre C et de rayon CA. Cet arc de cercle va couper la demi-droite CD au point E. Et après, je trace un arc de cercle de centre A et de rayon AC, de 8 cm bien sûr. Cet arc de cercle va couper la demi-droite AD au point F. Et finalement, je trace un arc de cercle de centre D et de rayon DE qui est égal à DF pour la symétrie de la figure. Et bien sûr, si je trace correctement ces arcs, on trouve cette figure qui rappelle un œuf de Pâques. Bien. Alors, cherchons le rayon du demi-disque rose. Celui-ci. Quel est son rayon? Bon, 4 cm. On vient de dire. Quel est son air? L'air rose, c'est la moitié d'un disque, donc c'est la moitié d'un disque. L'air, c'est pi fois le rayon au carré, 4 au carré, qui est égal 4 fois 4, 16, 16 pi sur 2, 8 pi. Bien sûr, il s'agit de centimètres carrés. Trouvons maintenant le rayon du huitième de disque vert. Le disque vert, comme vous constatez, ce disque vert, c'est un huitième, cette partie, c'est un huitième d'un grand disque que vous imaginez par ici. Quel est l'air de ce huitième de disque? Pi fois 8 au carré sur 2 fois 2 fois 2, on divise par 8, ce qui nous donne de nouveau 8 pi centimètres carrés. Puis, il nous dit que le segment AD mesure 5,7 cm. Du coup, combien ça mesure DF? Ben, DF est égal à AF moins AD, qui est égal à 8 moins 5,7 égale 2,3. Après, on va calculer l'air du triangle ACD. L du triangle ACD. La base, c'est AC. La hauteur correspondante, c'est DO sur 2. AC, c'est 8. 8 fois DO, qui est 4, sur 2, est égal à 16, bien sûr, centimètres carrés. Et finalement, calculons l'air de ce quart de cercle, R bleu, quart de cercle, donc divisé par 4. On calcule l'air du disque, bien sûr. Un quart de pi fois, quel est le rayon de ce quart de cercle? On vient de calculer DF. DF, c'est 2,3. Donc, c'est 2,3 au carré sur 4 pi. Et bien sûr, à la fin, on va remplacer pi par une valeur approximative pour ne pas avoir des erreurs. Et maintenant, quel est l'air total de cet œuf de Pâques? De Pâques. D'abord, c'est l'air rose, 8 pi, plus l'air verte,
8pi fois 2, c'est ce huitième de disque. Et si je remets ce huitième de disque de ce côté-là, on constate que le triangle ACD a été comptabilisé deux fois. Autrement dit, je soustrais l'aire du triangle ACD parce qu'elle a été comptabilisée deux fois. Et plus l'aire de ce quart de disque, c'est-à-dire 5,29 sur 4 pi. On peut mettre pi en facteur par ici, on peut remplacer pi par une valeur approximative, et tout le résultat, si vous faites bien le calcul, ça nous donne environ 63,5. Le résultat, 63,5, bien sûr, centimètres carrés. Arrondi, bien sûr, au dixième de centimètre carré. Bien sûr, on pourrait calculer aussi la longueur de ce pourtour, c'est-à-dire tout ce qui fait le tour de cet œuf de Pâques. Alors, le périmètre, ça va être égal avec la longueur de cette demi-disque, 2 fois pi fois le rayon qui est 4, divisé par 2, parce que c'est un demi-disque. Plus, cette partie est égale à celle-ci. Au total, ça fait un quart d'un cercle. Un quart d'un cercle, 2 fois pi fois le rayon, 8. Je rappelle, celui-ci c'est un huitième de disque, donc un huitième plus un huitième, ça fait un quart. Et après, on additionne ce quart de ce disque, la longueur de ce quart de cercle. 2 fois pi fois le rayon, 2,3. Pour ne pas avoir une erreur très grande, d'abord on additionne les nombres sans pi. 8 pi sur 2, ça fait 4 pi. Plus 16 pi sur 4, 4 pi. Plus, là on simplifie, 1,15 pi. 4 pi plus 4 pi plus 1,15 pi. 9,15 pi. Et finalement, on va taper à la calculette et le résultat, c'est environ 28,7 cm. Surtout, il ne faut pas oublier, quand on passe des valeurs exactes aux valeurs approximatives, de mettre ce signe qui veut dire que c'est approximatif. Le pourtour de l'œuf mesure 28,7 cm. La surface de l'œuf mesure 63,5 cm². Récapitulons ce qu'on vient de faire. Cette figure qui rappelle un œuf de Pâques, ou qui modélise un œuf de Pâques, est constituée des figures suivantes. Ici, on vient de tracer un demi-cercle. Ici, on a un demi-disque de rayon 4 cm. Et après, on a tracé centre C, un huitième de cercle qui coupe la demi-droite CD au point E. Et de l'autre côté ici, on a tracé un autre huitième de cercle de centre A, de rayon toujours 8. Et cet arc coupe la demi-droite AD au point F. Et finalement, on trace un arc de cercle de centre D et de rayon DE qui est égal à DF. Le problème nous dit que AD est égal à 5,7 cm. On le croit, et en quatrième, on va démontrer si c'est exact ou si c'est environ 5,7 cm. Grâce au théorème de Pythagore, qui va nous dire que ça, ce côté fait environ 5,7 cm. Mais pour l'instant, cette approximation nous suffit.
Et en calculant les airs de chaque demi-disque, huitième de disque, quart de disque, on a trouvé l'air total, c'est d'environ 63,5 cm². On peut aussi vérifier visuellement en comptant les petits carreaux qui sont ici de côté 1 cm. N'oubliez pas que tous ces petits carreaux ont le côté 1 cm. On peut voir environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et quelque chose. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, presque 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et moitié, 26, 27, 28, presque 29. Et puis le petit morceau qui reste ici, ça s'approche bien sûr de la moitié de 63 parce que je viens de calculer juste la moitié, donc environ 31 cm². Autrement dit, au-dessus de BD se trouve environ 31 carrés comme celui-ci dont le côté mesure 1 cm.